suis juste en train de régler un petit problème et j'arrive tout de suite, juste un petit pépin.
petit pépin réglé, on va pouvoir reprendre cette aventure de Pyro. Me revoici. Alors j'ai juste fait un changement de micro parce qu'en fait le micro que j'ai, le nouveau micro, bon c'est un micro basique et un peu merdique, ou plutôt il est mal réglé. Donc je suis passé sur l'ancien qui est nul. Bon allez, c'est reparti. Alors, mon 408 a quitté la planète, bien évidemment. On va juste le remettre correctement, ce 408. Hop, allez, hop, on va l'arrêter. Et on va aller sur, je crois, c'est Pyro 1. Alors, Pyro 1, c'est vraiment pas accueillant du tout. J'y suis allé il y a 2 jours, je crois. Et c'est pas du tout une planète accueillante, hein, franchement. Si quelqu'un veut aller faire ses vacances dessus, je déconseille. Hop. On a, c'est vrai que bon, là-dessus, par contre, ils ont réussi énormément de choses. Donc, on va aller visiter Pyroin. On va aller voir comment c'est. Là, je suis juste en train de programmer ma commande à distance. C'est tout. Voilà. Parce que le problème, c'est. Ça veut pas. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, cette fameuse planète de Pyroin qui a l'air super cool, super bien et tout ça, tout ça, tout ça. On va aller la voir. Voilà. Alors, faut me dire si le micro est assez fort ou pas assez fort, clairement. Hop. Il va franchement falloir que j'ai un second écran, sinon ça ira pas pour la suite. Allez, c'est parti. Alors. Ouais, bah déjà toi, demi-tour. Alors, où est-ce qu'on peut aller sur cette petite planète? Bah, je crois qu'il n'y a pas 10 000 endroits, hein, dessus. Ah tiens, il y en a deux. Rostville, Pyropost. On va aller à Roustville. Je crois que j'y suis déjà allé, mais c'est une grande zone de PVP, je crois. On va vite fait aller faire un tour et. Ah, un peu faible. Ok. Mon son à moi ou le son du jeu? Est-ce que le son du jeu est trop fort? Bon, là, ça devrait aller mieux. Normalement, j'ai fait un changement vite fait. Allez, c'est parti. Donc, Roustville, là, je crois que c'est pas un endroit mal famé, quoi. Alors, je suis toujours dans mon 408. Ah, c'est mon micro qui est faible. Aïe, aïe. Ouais, c'est le jeu qui est juste trop fort, quoi.
Ah, top. Ok, parfait. Alors, on va descendre sur pas trop vite. Alors, il y a souvent des joueurs, donc je risque de mourir assez vite. Comme on le voit, il y a plein de vaisseaux blancs. Hein. C'est sur Pyro 1, c'est vraiment l'une des zones où il y a énormément de joueurs qui vont en tout cas. Il y a combien de vaisseaux? 1, 2, 3. Oh punaise, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Je crois que c'est une vraie zone de PVP, Rostoville. Deux vaisseaux bleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9 vaisseaux quoi. 10. Ah, j'ai pas mis en Vétole. Voilà. Il y a même un F7. Ouais, bah, on se casse, il y a un joueur qui s'amuse là à péter les vaisseaux. On se taille. Bon. Oh là 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 là, les lags, bah ouais, le... Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas vraiment se barrer de la planète, hein. Le but, c'est quand même de la voir, un peu. Je crois même que... Je sais plus où est passé l'autre, mais il y a... L'autre... Tata station qui est pas loin. Si on peut aller la voir. Yes, elle est là-bas. Bon, on va aller là-bas. Elle est pas loin, je crois. Hein. Elle doit être à 100 bornes. Même pas 100 bornes. Allez. Ça va nous permettre de voir comment. Ouais, il y a des petites boutiques et il n'y a pas que des petites boutiques. Alors ça, les personnes ne le savent pas vraiment, mais si si, je pense qu'ils le savent. Mais il y a des endroits où vous pouvez trouver vraiment des tonnes d'armes sans que ça soit des boutiques. Tout à l'heure, j'étais sur Pyro 3. Ou plutôt Monox, et j'ai trouvé une zone où il y avait énormément d'armes en libre service, des fusils d'assaut, fusils à lunettes. J'ai pris un, il y avait du l'A03, du S71, il y avait pas mal de choses. Alors, Pyro 1 clairement est hostile, hein. C'est vraiment une zone hostile. Hein. Alors, on est à combien? Ok, 10 km. Il y a un joueur, bien évidemment. Mais il y a des zones où on peut trouver des armes, des grenades, des munitions, de l'eau, de... Il y a tellement de choses. Allez, ralenti, ralenti, mon bébé. C'est quoi le vaisseau? On dirait un Starfarer. Ah oui, un Starfarer, tiens. C'est vrai que normalement tout ce qui est carburant. Il est dans un sale état ce Starfarer. Oui, il y a plein de choses au sol là. C'est une zone d'un... Ça, c'est un avant-poste abandonné, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un avant-poste abandonné. Dedans aussi, je crois qu'on peut trouver du loot. Ça a l'air vraiment pas trop mal. Bon, on va descendre. Hein. Si je me fais buter, je me fais buter. Hein. C'est le risque. Hein. On va descendre. Allez. Le but c'est de découvrir quand même Pyro, donc on va pas rester à l'intérieur du vaisseau et rester en sécurité, on sait très bien où on est. Mais j'ai pas envie de me battre avec des joueurs parce que bah, le but c'est d'avoir une bonne expérience quand même tous ensemble pour découvrir Pyro, mais en sachant que c'est une zone pirate.
Donc, bien évidemment, la plupart des joueurs qui vont être dans Pyro, alors oui, on voit qu'il y a, il y a des problèmes de, par rapport à SC, il y a des problèmes de déchirement d'écran. J'ai vu. Alors oui, moi aussi j'ai hâte. Je sais pas, je sais plus c'est laquelle, mais là déjà, la prochaine que j'aimerais aller voir, je crois que c'est Pyro 2. Voilà, alors on n'a pas accès à Pyro 5 et Pyro 4. Oh, c'est magnifique les plantes là. Alors j'ai vu que ça brillait dans ce coin-là. Mais j'ai hâte d'aller voir aussi de ce côté là-bas. Alors là, il fait très chaud, 200. Oh là là, je crois qu'il fait 300 degrés sur cette planète. Cette planète, elle est folle. Ah, des cristaux. Je me demande s'ils seront minables, ces cristaux-là. Alors, on va aller voir à l'intérieur ici. Voilà. Oh, 301 degrés, c'est un truc de barjot. Oula, j'ai du mal. Bah oui, il y a du vent. Waouh, les champignons, ils sont magnifiques. Ah, c'est sur une lune de Pyro 5. Ouais, ils sont beaux, les champignons. On les avait déjà vus dans un ISC il y a très 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 longtemps. Ils sont magnifiques. Ça me rappelle les champignons dans la pub du Carac, personnellement. Quand on avait vu la pub du Carac qui faisait de la découverte. Ah, des minerais. Ah, je pense que ça, c'est minable. Ça, c'est minable. À tous les coups, ça, c'est minable, cela-là. Minage multi-tool. Alors ici, ça, je pense que ça, au multi-tool, peut-être l'enlever. Il y a des choses comme ça qui a l'air pas trop mal. On voit qu'ils ont quand même essayé d'ajouter des gameplay. Alors je vais pas descendre en bas parce que le but c'est pas de mourir. Wow, oh, elle est instable. Oh, c'est instable. Ouh là là là, bah, c'est mort, hein, je descends pas. Ouais, il y a un vent. On va pas rester trop dehors. Hein. Ah, ça, c'est un joueur. Ah oui, ça, c'est un joueur, par contre. On va le looter. Ah. Oh, très intéressant. Bah, vous savez quoi, on va même faire mieux. Attendez, est-ce que j'aimerais bien. Non. Elle est belle ton armure, toi. Et en plus, il y a une FS9, donc. Autant le prendre. Mon vaisseau il est pas loin en plus. Donc ouais. Donc c'est intéressant. Franchement c'est intéressant. Bon, mon vaisseau il a pris des coups. Ça, alors ça c'est des impacts de. Quand je suis sorti de la station, je me suis pris des impacts. Parce qu'il y a plein de débris autour des stations, bah oui, on est dans Pyro. Voilà. Hop, allez, on va venir là. Et on va rentrer le mec à l'intérieur. On sera beaucoup mieux. Ça n'affiche pas. Oh, bah il a traversé le sol. Oh le couillon. Oh le couillon.
T'es où, mon grand? Les bugs. Bienvenue. Bon, après, c'est comme ça. On connaît. Ah, il est là, il s'est fait aplatir comme une crêpe. Oh, le couillon. Voilà. C'est pas grave. J'ai une autre technique. Ouais, une belle armure comme ça, et ça se refuse pas, hein. Alors, véhicule, c'est pas grave, hop, et voilà, monsieur. Merci beaucoup pour votre armure. Ah oui, merci beaucoup aussi pour le mettre peine. J'étais à sec. Oh là là, ça s'assombrit. Oh, c'est magnifique quand même. Oui, il y a un décalage, c'est normal. C'est moi qui l'ai mis pour éviter les stream hacks. Parce qu'il y a des. Il y a des joueurs, des corpos, pas des corpos, mais il y a des joueurs qui stream hack assez régulièrement. Donc pour éviter le stream hack, clairement, j'ai mis un délai. Alors peut-être pas un gros délai comme je l'aurais voulu. Mais il y a un délai. You mon gun hier. Ah, pas mal. Vraiment pas mal du tout. On peut récupérer quand même de la dolivine, de la forite. Ça, c'est cool, franchement. On peut récupérer pas mal de petites choses. Alors, ici, je vais voir un lien. On va passer au suivant. Ouais, y a des joueurs qui stream hack. Même les petits streamers comme moi, je partage juste ma passion. Et ça m'est déjà arrivé une fois. Donc, quand je lis le message, il doit y avoir un délai de 15, 20 secondes, voire 30 secondes entre le moment où je vais répondre. Et le moment où le message a été mis. Encore un joueur? Ah, ça, c'est des joueurs, ça. Et ils se sont battus comme des fous. Alors, un couteau, ça m'intéresse. Une grenade, oui. Un pistolet en réserve, moi, ça me va. Alors, on ouvre ça. Popopom. Alors. Bon, il n'y a rien dedans. Ok. Oh là là, oh les lags. Après, Pyro, ça vient d'arriver, donc ouais. Oh oui, c'est normal, c'est normal. Les gros lags comme ça, c'est tout à fait normal. Ça arrive à certains moments. Il s'est passé quelque chose. Alors, il y avait une rumeur qui disait que ce genre de gros lags, c'était en fait les moments où il y avait un test du replication layer, mais j'y croyais pas du tout, puisqu'il n'est pas implémenté de ce qu'on sait et de ce qui nous a été dit. Donc, certains avaient fait courir une rumeur comme quoi c'était ça. En fait, ce serait le moment où il fonctionne, mais non, pas du tout. Alors, est-ce que je peux aller dedans là? Oh là 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 là, ça c'est du gros lag. Voilà. Alors par contre, j'ai pas testé ton. Ok. Oui, c'est vrai, y a rien dessus. Wow, c'est magnifique quand même. Oui, ça c'est mes phares. Mais c'est magnifique quand même. Bon, alors on est passé par là. On est passé par là. Où est-ce qu'on n'est pas passé? On n'est pas passé ici. Alors, voyons voir. Ah, je vois une caisse de loot, je crois.
Bon, allez, on va changer de planète. Parce que cette planète, de toute façon, il n'y a que deux avant-postes. Hein. Il y a que deux. Il y a plutôt le petit village et sept avant-postes abandonnés. On va aller sur la prochaine. On va pas aller sur Monox. Là, on va aller sur l'autre. Ça sera déjà cool. Déjà qu'on a pu chourer des affaires à des joueurs qui étaient morts. Ouh. Ça fait du bien d'être chez soi. Hein. Ah yes, tout apparaît. Alors déjà, hop, hop. Hop. Eh, c'est bon, je suis chez moi là. On ne casse pas les cacahuètes. Tiens, je vais. Ouais, moi aussi j'ai envie d'être. Oh, ça va faire lourd ça. Oh non. Non, ça va faire trop lourd en fait. Ouais, c'est très bien comme je suis. Par contre. Voilà. T'avais des munitions sur toi? Ah, il avait même pas de mun, le mec. Il y a au moins un chargeur. Non, non, j'ai pas de roc sur place. Oulé. Mais franchement, ça a l'air franchement cool le minage. Et franchement là, les petits trucs à miner à l'intérieur, ça a l'air d'être cool. Mais par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que ça rapporte? Puisque le but aussi, c'est que ça rapporte. Ouais, il fait sombre. Oh, ça lag encore. Ça vient vraiment par vague. Moi, ce que j'adore, c'est on les voit, ah, ils sont au fond là, vous voyez, au fond là, on les voit les espèces de brume qui montent vers le ciel là, je trouve ça magnifique. Franchement, je trouve ça magnifique, c'est très bien fait. Alors, prochaine destination, nous sommes sur Pirouin. J'étais d'abord sur Monox, je suis arrivé à Pirouin et on va aller sur Bloom, en espérant qu'on soit du bon côté. Bloom est là-haut, parfait. Allez. Waouh, c'est magnifique, hein. Franchement. Franchement, c'est beau, ils ont fait un travail de dingue. Hein. On voit bien, Pyro, c'est hostile. C'est vraiment une zone hostile et ça se voit. On voit qu'ils ont fait une zone vraiment très hostile. Alors non, il n'y a pas d'inventaire sur l'avant-poste. Alors en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment là, ils ont fait une chose, c'est qu'ils n'ont pas mis les inventaires des avant-postes parce qu'on est vraiment sur une zone pirate, pas comme dans les autres, où on a un inventaire. Là, j'ai pas remarqué d'inventaire. Après là, on va aller à un avant-poste sur Bloom et on va aller voir justement s'il y a un inventaire dessus. Mais sur les postes abandonnés, il n'y a pas. Sur les zones Xenostrates, il n'y a pas. Et où les vendre, c'est ça le truc. En fait, là, c'est vraiment. Déjà, on a. Une partie de pyro, puisque pour les personnes qui seraient pas au courant, on n'a que cette partie de pyro là. Voilà, alors il faut savoir que cette partie de pyro, c'est la taille de Stanton qu'on a, mais on n'a pas tout ce qui est autour là. Voilà, alors il y a quelqu'un qui a réussi à s'approcher 33 millions de kilomètres de pyro 5, non, de 13 millions de kilomètres, je crois. C'est le cirque Lisoire avec qui parfois j'ai fait des petits trucs et ils sont hyper sympathiques, justement. Mais on a vraiment accès.
qu'à cette zone-là qui fait la taille de Stanton. Cette petite zone, c'est Stanton. Voilà. Et on voit déjà, il y a énormément de choses. Rien que dans cette zone. Alors après, est-ce que vraiment tout ça, ça va rester marqué ou pas? On verra bien. Pyro Jump Point. Pyro Stanton Jump Point. Eh, il est là. Hein. Eh, il est là, ici. Tiens. Donc on verra bien. Et on verra où est-ce que c'est vendable. C'est ça le truc. Pour l'instant, je ne sais même pas où est-ce qu'on peut vendre ce genre de marchandises. C'est vraiment de la découverte. Et ça va être cool avec Pyro. C'est qu'on on découvre. Et les personnes comme moi qui ont vu Stanton, qui l'ont fait de long en large, de travers, dans tous les côtés et autres, bah, c'est cool de venir découvrir justement Pyro parce que c'est du renouveau. Allez, on arrive sur Bloom. La planète grise et jaune. Alors, on va aller où? Je sais pas, dans l'est. J'aimerais bien d'être du côté du soleil. Alors, c'est combien? 584, 900. Donc, non. Non. Eh ben, on va aller à The Golden Riviera. Oh, un petit lag. Moi j'adore surtout le fond comme ça là-bas. J'en ferais presque mon arrière-plan de bureau. Alors ce n'est pas les nuages qu'on nous a présentés à la CitizenCon. Ce sont les anciens, ceux qu'on a toujours dans Stanton, pour les personnes qui ne sauraient pas. Ça viendra dans une mise à jour prochaine. C'est tout droit. Ouais, c'est magnifique. Hein. Avec les cumulonimbus là. Oh, il y a de la montagne, il va falloir que je fasse gaffe. Ok, ouais, il y a des montagnes, mais ça va. Oh, il y a du monde. Oh, c'est pas une montagne ça? Non, c'est bon. Alors je suis obligé de ping parce qu'il y a vraiment beaucoup de. On est où là? Alors on est encore dans une zone Xenosres. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Mon vaisseau. Attendez, il y a eu un problème là. Il y a eu un gros problème là. C'est bizarre, pourquoi mon vaisseau il est comme ça? Oh, ça va être chaud de redécoller si c'est comme ça. Bon, alors on va les découvrir. Alors ça a l'air d'être une zone encore Xenostress. Je les accumule, dis donc. Ok,
Ok, je me suis posé sur un caillou. Oh, ça lag, ça lag. Non, 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 c'est pas une 30K, non. Je pense pas, en tout cas, bah, j'espère pas, surtout. Alors, on a quoi ici? Il y a des plantations. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des armes? Là, il n'y a pas d'armes. D'habitude, il y a des armes et des chargeurs. Oui, là, il y a des chargeurs, mais on ne peut pas les prendre. On va aller dans la grosse maison, là. En faisant gaffe parce qu'on est dans une zone xénotraite. C'est dommage qu'on puisse pas les prendre. Il y a 10 tonnes de chargeurs. Ah, voilà des armes. Voilà, alors on a quoi là? On en a plein. On a du 71, de la 03. Dire qu'on a le choix. Voilà, parfait. Oh tiens tiens, j'ai vu un truc. On peut pas le prendre, dommage. Alors, je pense que les joueurs avaient une mission ici puisqu'ils sont repartis. Ouais, ils avaient une mission. Oh, il y a l'FS9, du gun. Oh, franchement, Pyro, si vous voulez des FS9 sur Pyro, il y en a, hein, il y en a un paquet. Alors, par contre, toi, je veux juste. Ah, j'aurais bien aimé retirer ton chargeur. On va essayer de voir si on trouve quelque chose. Y'a rien du tout là. Franchement, ça doit être cool en Dragonfly sur Pyro se balader. Pas d'armes. Il y a des avant-postes où il y a 10 tonnes d'armes dedans. Et il y en a d'autres où il n'y a pas une arme. Un atelier de fabrication, ou plutôt de réparation. J'ai coupé un petit peu parce que je viens d'éternuer. Je viens de perdre mon fusil là. Salle de bain, je pense qu'il y a rien dedans. On dirait une cage de combat où ils font combattre des personnes. Ah, c'est mon vaisseau qui se fait marave.
Tiens, tiens, constellation. Oxygène. Il va se poser ou quoi? Encore une dragonfly. Voilà. J'ai vu un vaisseau. Ça a l'air d'être un vaisseau volé, parce que le gars il tire dessus. C'est cool, c'est une zone Xenostreat, mais bon. Pas de marchand, y a rien du tout. Des casques. On aurait dit un multi-tool ça. Ah, y a rien du tout. Des prisons quoi, carrément.
vraiment très intéressant. Bon, bah c'est un avant-poste Xenostrate, hein. Je suis pas venu là pour me battre avec les autres joueurs, donc je suis là en découverte. J'ai pas envie du tout de me battre. Je me suis approché pour voir si le gars il voulait se battre, mais non. Tant mieux. Oh, tiens, une tourelle, ouais. Oh, au pied de mon vaisseau, un truc à looter. Alors, rien d'intéressant. Allez, referme-toi parce que j'ai pas envie d'avoir de la visite. Voilà, alors on va voir si je peux. Si je peux décoller avec mon vaisseau. Oh là là, l'horreur. C'est l'horreur, je crois que c'est parce que je suis ici. Ou alors c'est un bug de mon vaisseau. Bonne question. Ok, on redémarre. Ah oui, c'est un bug dû à la zone. Ok. Bon, on est là aussi pour découvrir, donc on va aller se balader entre les montagnes. On va éviter de se prendre une montagne. Non, les jeux de lumière sont magnifiques, clairement. Oh, c'est très beau, franchement, c'est très beau. Bon, on va aller dans un avant-poste un peu plus, comment dire, civilisé. Allez, c'est parti. Wow. Voilà. Oh, les couches de nuages à traverser, c'est magnifique. On sort de la couche de nuages. C'est franchement, franchement, franchement très beau. Je l'ai dit beaucoup de fois, mais c'est une réalité. C'est un jeu qui est magnifique. Et clairement, il va, pour le futur, niquer beaucoup de choses. Alors pour les personnes qui se seraient pas inscrites à Star Citizen en voyant, puisque ce replay va rester sur YouTube, vous pouvez utiliser le lien dans la description et c'est un lien justement de parrainage pour jouer à Star Citizen, sachant qu'il y a une Free Fly LIAE à partir du 17 novembre, du 17 jusqu'au 30 novembre si je dis pas de bêtises. Ce sera une période gratuite où vous pourrez justement jouer à Star Citizen. Alors il y aura peut-être pas Pyro bien évidemment dans ce moment-là, mais vous pourrez vous amuser. Et ce lien vous donne 5$ de bonus justement à votre inscription à Star Citizen. Je rappelle bien évidemment que si vous voulez jouer à Star Citizen en permanence, il faut acheter un pack de démarrage justement pour y jouer. Sinon, vous pouvez profiter des free fly qui est à peu près tous les 1 mois et demi à 2 mois.
Voilà. Allez, on va aller sur un autre avant-poste. Alors, Bueno Ravine, il n'y a pas un truc plus proche là? The Golden Riviera, c'est là d'où on vient. Shepherd Rest. Bah, on va aller là-bas. Allez, c'est parti. Ouais, c'est magnifique, même d'en haut, c'est magnifique. Et les nuages, bon, ils vont être refaits. Plutôt, ils vont être mis à jour, mais c'est magnifique quand même. En moyenne, le jeu est magnifique. En moyenne. Donc, clairement, hâte de voir la suite du jeu. En tout cas, plein de nouvelles choses vont arriver sur le jeu. Il va juste falloir être un petit peu patient et vous verrez, ça sera super bien. Et hâte d'avoir Pyro pour tout le monde.
Bon, clairement, il y a énormément de choses qu'on va devoir faire sur Pyro et qu'on va devoir apprendre. Moi, j'ai hâte franchement de la suite et de comment ça va se passer. Alors, on va voir comment ça doit faire tout ça. Oui. Hop, hop. Et on va regarder ça. Bon, encore un petit peu d'éléments. Oui, je suis en train de faire du réglage micro. Alors, faut me dire si vous entendez les touches de mon clavier ou pas, parce que là c'est très important, c'est un peu le bordel avec mon clavier. Et je crois qu'on entend les touches du clavier, alors que normalement on ne devrait pas les entendre. Et je crois que mon son est super fort, il y a un problème. Le micro a du mal à bien s'adapter et à atténuer les sons, comme le clavier. Et pourtant j'essaie qu'il les atténue. Hésitez à me dire si le son est trop fort, si voilà. Moi ça m'aide à régler parce que voilà, changer de micro c'est compliqué à régler. Je suis pas un youtubeur professionnel et j'ai pas un micro à 100 euros quoi. C'est grâce aux dons qu'on a réussi à payer déjà ce micro et j'en remercie énormément les personnes qui ont participé. Donc on va continuer comme ça. Chercher l'entrée.
qui a déjà été ouverte. Oh, 10 mètres de peine. Oh là là, enfin. Ça va pas mal ce petit objet là. Il y a des cookies, des cartons de ville. Une perceuse. Il y a deux gugus. Oh, c'est pas mal ça tout le monde. Alors eux par contre ils ont pas de multi-tool eux. Ils sont pas tous armés. Par exemple là j'étais dans le hangar, ils étaient tous armés. Poser lui. Ça c'est des abrutis. Hop là, voilà. Ah oui, les systèmes de défense. Ça va, les joueurs sont pas ultra agressifs de fou, ils sont juste là pour découvrir aussi. À part ceux qui étaient dehors. Leur vaisseau là. Sympathique, franchement c'est sympathique. Et bon, les PNJ sont, on dirait qu'ils vont mieux. Ah, tiens, encore une.
encore un multi-tool. Tiens, bah, j'en prends deux. Ouais, on ressort d'ici. Vraiment, le but c'est de profiter, de pouvoir voir comment c'est. Les fameuses serres là de pyro. On peut la prendre. C'est un fruit. Ok, ça c'est cool, c'est un fruit. Alors ça aussi, on dirait que c'est. Alors c'est peut-être pas un fruit, ou plutôt un espèce de champignon. Mais ça c'est cool, on dirait un fruit. Alors je sais pas si je le mange et je vais mourir. Mais c'est intéressant à savoir. Intéressant, encore des serres. Est-ce que mon vaisseau s'est vraiment fait abîmer ou pas? Vite fait, je vais vérifier avant de retourner ailleurs. Je vais voir s'il manque des morceaux là. J'avais tout mis dans les boucliers. Par sécurité. Ouais, c'est bon. Là-bas j'ai déjà fait ça, on dirait un vaisseau qui s'est écrasé. Ça j'ai déjà fait. Ah, je suis pas monté tout en haut, mais je crois que ça sert à rien de monter tout en haut. Bon bah c'est assez sympathique hein. Bon, de jour ça doit être un peu mieux quand même, parce que là de nuit c'est un peu la galère. Ça a l'air sympathique. Alors, je vois un mule. Est-ce qu'on peut prendre les mules? Alors on va essayer de voir. J'aimerais bien savoir. Ah, on peut prendre les mules. Oh sérieux? Oh c'est trop cool ça.
station. C'est parti. Bienvenue aux personnes qui rejoignent ce petit live sur Pyro. Bienvenue à vous. Alors, c'est vraiment un petit live sur Pyro. Il a été fait. Alors on est parti d'où? On est parti de Monox. Non, plutôt de. Je crois que je suis parti de Pyro L3. Je suis arrivé sur Monox, Pyro 1. Et après Bloom. Et là on va partir sur la station de Bloom, justement. On va aller voir ce que ça donne. Oh mince. Aïe. Ouh aïe aïe mon vaisseau. Ouais, je viens de me prendre une masse solaire là, en plein dans la face là. Mon vaisseau qui bug de tous les côtés. Mes écrans qui. Sacrée masse solaire. Ouais, je me prends une masse solaire en plein dans la face. Wow. C'est quand que ça va revenir à la normale? Ouais, mais là, mon vaisseau il répond plus. Ah, ça revient. Ça revient doucement. Oula, ça bug dans tous les coins. Faut que je m'échappe de là. Et je me prends que de la nuit. Ah, c'est bon, je suis sorti. Allez, on va aller à une station orbituary. Je ne la connais pas. Ça va être le moment de la découvrir et de savoir si ça va. Alors une petite question pour toi Fabrice, est-ce que tu entends mon clavier dans le micro? Allez merde. Ah bah oui. Oula. Mais tu pourrais s'il te plaît me lâcher la masse. C'est important pour moi de savoir si on entend mon clavier parce qu'il est bruyant. La station. Elle est en pièces détachées. Ça se voit que c'est une grande station qui devait faire du raffinage. Parce qu'il y a énormément de zones de raffinage quoi. Là, je suis toujours en masse. Ouais, toujours. L'horreur. Ah super, merci. Waouh. Alors elle est dans un sale état la station. Alors il paraît qu'il y aurait un morceau de l'une des stations, ce serait un bout de Kraken. Je crois pas trop. Ah, ils ont ajouté les canons là. Ils ont ajouté les défenses qu'il y a aussi dans Stanton. On est toujours pas en zone d'armistice. Ouais, elle est magnifique la station. Alors par contre. Je sais pas ce que ça va faire dans le futur, ce genre de choses. Peut-être que les vaisseaux pourront, seront des
désorienté, c'est-à-dire l'électronique. Oula, ça aveugle. On verra bien. En tout cas, la station est magnifique. Attention aux morceaux qui traînent partout là. Wow, wow, qui apparaissent. Korak qui s'est bouffé un astéroïde. Waouh. On va descendre. Ouais, elle est magnifique. Hein. Alors on va descendre. Même si dans l'espace il n'y a pas de haut et de bas. Allez, c'est parti. Un vaisseau vert. Ça doit être un Defender, ça. Ah oui, d'accord. Il y a des astéroïdes. Ouais. Ouais, un effet visuel extérieur, ouais. Ah c'est bon, c'est revenu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se poser sur la station là. Alors, on va aller se poser sur la station. Proceed to assigned landing bay. C'est là-bas. Ouais, un effet. Mais je pense qu'il va y avoir. Ouais, c'est ça. Il va y avoir un effet. Mais je crois qu'il y a déjà un effet. C'est que c'est éblouissant. Waouh. Regardez-moi ça. C'est magnifique. On voit le gaz qui est aspiré dans la station. Magnifique. Alors, je dois me poser où moi? Là-bas, ok. Attention aux débris. Ouais, et aïe, aïe, ça touche la coque. Moi j'adore comment ils sont positionnés les hangars comme ça, c'est magnifique, j'adore. Je suis vraiment fan. Allez. Landing complete. Have a pleasant stay. C'est parfait. Alors. C'est franchement magnifique, ouais, mais moi j'avais hâte, j'ai prié, clairement j'ai prié de pouvoir y aller, plutôt pas prier, mais je souhaitais, je me disais, mais j'espère aller
justement dans Pyro. J'espérais que ça. Parce que franchement, je me disais, mais si je vais pas dans Pyro, je vais être vraiment déçu de pas pouvoir y aller. Mais ouais, c'est ça, tu vois, c'est ce que je me dis. Je me dis, si par exemple, on voit qu'ils alertent. Ils alertent sur les masses. Sur les masses, comment dire, quand ça arrive, ils alertent avant que ça arrive. Il y a une alerte. Et ben, le joueur, avec son vaisseau, à moins que ça soit un vaisseau qui soit vraiment fait comme d'expédition, par exemple les Karak, ou certains trucs comme ça, il devrait aller se planquer. Et s'il se planque pas, et ben il peut plus faire de, comment dire, de quantum. Il y a un effet, et par exemple le vaisseau, bah ça peut, s'il met les boucliers à fond, ça l'aide à survivre à la masse solaire, parce que normalement quand il y a ça, bah ça émet la chaleur, je sais pas, voilà. En gros, il doit y avoir vraiment quelque chose qui fasse que si tu te le prends, et ben soit t'es pas forcément détruit ou endommagé, mais qui a un point négatif à se faire avoir dans une masse solaire. Faut pas que ça soit trop facile. Alors, on va visiter un peu. Répare. Tu répares quoi, mon grand? Waouh. Il y a même des caisses de loot dans les stations. Je sais pas ce que c'est. Comment je sors de là, par contre? Ah oui, d'accord. Alors sur le feu directement. Quelqu'un qui pisse ou quoi? Une. C'est franchement très intéressant ce qu'ils ont fait avec Pyro. Alors par contre, je vais prendre la flotte parce que comment dire, on est dans une zone où la flotte, c'est pas le truc. En gros, si tu prends de la flotte qui t'est vendue là par les commerçants, c'est de la flotte toxique. Donc faut faire gaffe. Et ça a été bien fait, hein, franchement. On va aller à plein d'endroits. Et clairement, j'ai envie d'explorer aussi la station là. Un peu d'exploration de station pour voir où est-ce qu'on peut aller et où est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller. Alors là, on refinit derrière. Descend, ok. J'ai envie de monter en haut là. J'ai pas réussi. Ah mais oui, c'est vrai, on peut avoir accès à l'étage supérieur. J'ai envie d'aller dans des zones interdites. Ok, bon. Je pensais vraiment que ce serait cool. Oh là là, le labyrinthe, que c'est? C'est cool, mais vraiment cool, hein. Vous pouvez aller dans tellement d'endroits. Les effets lumineux avec le soleil, ou plutôt le pyro. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle.
c'est quand même une zone d'armistice, hein. On peut pas se tirer dessus. Des gardes partout. C'est hallucinant. Allez, il va falloir que je coupe mon live bientôt. De toute façon, la session de pyro va se terminer. Donc là, j'en profite des quelques, je pense, dernières minutes qu'il y a encore. Ou, vu l'heure, il est quelle heure? 13h, oui, bah ça finit dans moins d'une heure. Normalement. Oh, tiens, on peut aller là. T'as envie d'explorer, mais vraiment, vraiment. Là, ici. Oula. Encore? Oh, on peut aller encore plus bas. Cool. Waouh, dans les tréfonds de la station. Quoi encore? Oh là 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 là. Ah, il y a un bug. Ok. Dans les tréfonds. Oulé, oulé, oulé. Alors, par sécurité. On va tout mettre dans la station par sécurité. J'ai quand même besoin du casque. Mince, je me suis loupé. Bon bah voilà. Ah ça arrive, ça arrive. Bon, c'est comme ça. Wow. Ah non, je suis où là? Bon, je suis à l'intérieur de la station, mais. C'est impressionnant.